Gabriel Angelos, captain of the Blood Ravens. My chapter is in ruins. The sector is at war. Its worlds under siege. Chaos spreads, consumes us all. Here, we will make our final stand. Here, there will be retribution. Salut tout le monde, c'est Kimi. Salut à tous, c'est Supermoine. Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter un vidéo test de Dawn of War 2 Retribution. Et donc, et aussi pour rattraper le coup de la dernière fois de notre vidéo test de Dawn of War 2, tu pourras le confirmer, Supermoine. Oui, en effet, je le confirme. À la base, c'était une vidéo qu'on avait fait il y a quelques années déjà. Et donc, c'est moi qui l'avais posté sur ma chaîne. Oui, j'ai souillé ma chaîne pour cette vidéo. Ouais. Faut que je me calme. Donc oui, on avait fait une vidéo de Dawn of War 2, et puis bon, on n'avait pas été très très bon, hein, ouais. Voire même mauvais. Ouais, on était naze. Nul. Hein. Voilà, donc on veut sauver l'honneur de notre duo, et on veut surtout donner une meilleure image de ce jeu-là, parce qu'il mérite d'avoir une meilleure image, surtout de notre part. C'est ça. Et donc là, on est là, on est de retour, tout frais, fraîchement débarqué. Et on est là pour vous présenter. C'est ça, donc Dawn of War 2 Retribution, c'est la suite de Dawn of War 2. C'est un jeu stratégique qui a été développé par THQ et édité par Relic Entertainment, si je me trompe pas. Non, c'est bon, tu t'es pas trompé. Donc, merci. Donc on va vous présenter ça sous 4 parties. Donc la première, c'est celle-ci, ce sera dédié au menu justement et au créateur d'armée. Oui, on a fait une partie sur le menu. Si ça gêne quelqu'un, vous avez 3 secondes pour quitter la vidéo. Donc, la deuxième partie. Et là, la moitié de ceux qui ont regardé la vidéo, et là, ils ont déjà quitté. Voilà. Donc, la deuxième partie, ce sera sur le mode campagne. C'est le mode histoire, un peu le mode scénario de chaque race du jeu. Ensuite, la troisième partie, ce sera le mode baroud d'honneur. C'est un peu le mode survie du jeu, hein. On va devoir survivre à de nombreuses vagues d'ennemis le plus longtemps possible. Et enfin, la dernière partie, ce sera sur le mode escarmouche, qui est le mode multijoueur de base du jeu. Donc, on va vous présenter ce qu'on appelle le créateur d'armée. Comme son nom l'indique, c'est là pour créer votre propre armée, enfin surtout les couleurs de votre propre armée, et les insignes aussi. Donc, avec le menu défilant en haut, on a toutes les races, hein. Donc on a les Space Marines. Qui sont là depuis le début, c'est un peu les héros du jeu, hein, c'est les vaillants combattants, comme tu... Oui, ce sont les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. C'est ça, les sauveurs de l'humanité. Les violeurs de sa maman. Non. Non ? Non. Arrête, je suis sûr, ils ont une... Pardon. Non, on va... Donc, on a ensuite les Space Marines du Chaos, qui sont à leur opposé, hein, c'est eux, c'est les méchants, qui sont là pour la destruction. Voilà, eux, par contre, c'est les violeurs de sa maman. Voilà, hein, voilà. Là, on est d'accord. Oui, ouais, oui, c'est voilà. Vrai. On a les Eldar, qui sont... Bah, c'est aussi des ennemis des Space Marines, mais ils ne sont pas aussi impurs que les Space Marines du Chaos. Ils sont... En fait, c'est pas pareil. Les Eldar, c'est pas vraiment des méchants. En fait, ils sont un peu... En fait, ils défendent leur propre intérêt. C'est en fait. Ça, exactement. Donc, on a les orques. C'est pas la peine de préciser ce que c'est, hein. C'est les gros bourrins. Oui, voilà, l'orque, à partir du moment où on sait que c'est pas un gros poisson, on sait que c'est une grosse bête verte qui tape sur tout, hein. Le mot orque se suffit à lui-même en général. Exactement, hein. on a l'occasion de le voir dans Warcraft ou World of Warcraft. C'est l'orque. Voilà, c'est l'orque de base. Donc, par contre, c'est vrai que dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont pas verts. Oui, mais c'est quand même des gros bourrins abrutis du cerveau. Hein. Donc on a les Tyranids, c'est les vilains aliens méchants qui détruisent et qui tuent pour coloniser par instinct. Hein, qui... Ah non, ils colonisent pas, bien sûr. Colonisent. Ils colonisent pas, en fait ils se nourrissent des mondes en fait, en gros ils tuent tout ce qu'il y a sur les mondes et puis ils se nourrissent du monde lui-même. Oui, c'est vrai que c'est pas vraiment de la colonisation. Après, c'est un monde mort. Voilà. En fait ils sont là pour se nourrir. C'est ça. Tout simplement. Et on a la garde impériale qui était très attendue et qui est disponible depuis Dawn of War 2 Retribution. C'était la race qui était la plus attendue. Hein. Moi je l'attendais, madame. Moi je lui jure sur la tête de ma maman que je l'attendais, monsieur. Ouais, d'ailleurs, toi tu étais un des premiers à attendre cette race. Hein. Elle a déçu quasiment personne. Et... Ah oui, d'ailleurs, elle est vraiment bonne cette race. Voilà, on a enfin l'Eto qui ne sert à rien étant donné qu'il n'y a que le commandant d'armée qui est disponible pour le barou.
Oui, le commandant Tone sert que pour le mode Baroud, hein. Il n'y a pas de race réellement existante concernant les taux. Et encore, faut payer. Oui, et en plus, faut débourser, vous vous rendez compte, on nous extorque. C'est pour ça qu'on ne l'a pas. Hein. Oui, mais voilà, je veux dire, je te laisse présenter les couleurs, comment ça marche. Ouais, alors on va s'y mettre tout de suite. Donc vous voyez, j'imagine que vous avez vu que le menu défilant en tout temps vous permet de faire défiler les races, hein, vous sélectionnez la race pour pouvoir modifier l'armée. Après, vous avez juste en dessous, comment on pourrait appeler ça? C'est pas vraiment un menu défilant, c'est. C'est une barre défilante pour sélectionner une unité, hein. Ouais, non, on va dire ça en fait. C'est en cliquant sur la flèche gauche ou la flèche droite, en fait, vous faites défiler les unités, puis vous voyez. Ce que donnent les couleurs sur chacune de vos unités. Il n'y a que les plus grandes qui rentrent pas. Hein. Voilà. Donc juste en dessous après vous avez selon la race, c'est pas non différent. Là j'ai chapitre. On peut aussi avoir clan pour les orques, vaisseau-monde pour les Eldar, etc. etc. Et donc quand vous cliquez sur le mode défilant, vous voyez plusieurs noms et en fait chacun de ces noms correspond à une armée. Et donc chaque armée correspond à un schéma de couleurs différent. Et par exemple les Blood Ravens. Hein, les Blood Ravens, avec un vrai accent cette fois-ci. Les Blood Angels, les Black Templars, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut. C'est des couleurs prédéfinies celles-là. Voilà, c'est des couleurs prédéfinies, puis en général, les couleurs qui sont vraiment à vous sont celles qui sont le plus haut en fait. Voilà, donc on va créer une couleur d'armée en appuyant sur le petit plus entouré de vert. Et on va l'appeler test, hein, parce que je n'ai aucune imagination. Et je pense qu'on va se mettre à faire des Space Marine spécial Gap Pride. Alors on va mettre dans le premier rectangle, qui s'appelle le rectangle principal, une couleur rose. Le deuxième, on va mettre une couleur violette. Le troisième, qui s'appelle le rectangle liseré, on va mettre du bleu. Un bleu un petit peu pétant quand même. Et le quatrième rectangle, on va mettre du Spectral Blue, qui est une des couleurs métalliques. Ça fait bien gay, ouais. Ouais, ça... Ça te plaît? Ouais, j'adore. Ouais. Mon style. Et en bas, on va mettre les Ultramarines. Hein. C'est le Omega à l'envers, en fait. Ah, ok. Et aussi, chez les Space Marines, ce qui est assez particulier, parce que c'est rien que les Space Marines qui les ont, les autres ne les ont pas, ils ont été punis. Voilà. C'est du racisme. Vous avez de la discrimination. Ouais. Vous avez différents schémas, en fait, qui vous permettent de choisir l'emplacement de chaque couleur sur votre unité, en fait. Voilà, donc c'est tout pour le créateur d'armée. Vous pouvez aussi supprimer une armée que vous avez créée. Par contre, il n'est pas possible de supprimer une armée une armée prédéfinie, en fait. Ouais. Alors, par exemple, on va faire le test, hein, tout de suite. Enfin, les Blood Ravens, on appuie, ils nous disent non. Hein. C'est tout pour le créateur d'armée, donc je rends l'antenne à Kimi. Voilà, donc on... Non, lâche ça, là. Non. Oui, l'antenne, c'était une tentative de blague qui a raté, mais bon. Donc, on a fait le tour du menu et du créateur d'armée. Donc, c'est tout pour cette partie, je vous invite... Il est joli, le menu, quand même. Oui, il est magnifique. Oui, on... Ah oui, attends. Il y a un petit truc aussi que c'est peut-être bon de préciser, le jeu passe par Steam. Oui. Il fut un temps jadis où le jeu passait par Game for Windows Live et c'était une catastrophe. C'est ça. Maintenant le jeu passe par Steam et disons qu'en plus c'est plutôt bien, même si j'ai tendance à perdre la collection pour rien. Ouais, c'est l'inconvénient de Steam. Donc Oui, enfin, on a en plus de mon côté que de mauvais côté en général. C'est vrai. Ça reste une bonne plateforme. On a fait le tour, hein, donc c'est tout pour cette première partie. Je vous invite à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour voir une prochaine vidéo. Je vous propose aussi de visiter la chaîne de Super Moine qui s'affiche en bas de votre écran. Et donc on vous dit à tout à l'heure, à bientôt ou à jamais pour la deuxième partie, le mode campagne. Salut! À jamais!